Frère Thomas, c'est une assemblée, cherchez-vous à Pasteur Février dans ce hôtel-là. Frère Thomas, please, cherchez-vous à Pasteur Février. Et m'a demandé à tout le monde Coralio, s'il vous plaît, prendre position où, et si vous êtes là dans l'assemblée, pas que ça, lui, parents, et vous voulez faire le Kounia, parce que en quelques instants, on a commencé ce service-là. The cottage of the ministers are going to step down to say hello to the parents, and I'm asking everybody to sit down if you haven't done that yet, because you had enough time to do it. Now we're getting ready to start the service. Thank you.
Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers parents réunis, nous sommes ici pour rendre notre dernier hommage à notre sœur Elisema Eugene Jacques, qui nous a devancés. Et nous sommes sûrs, sur la grâce du Seigneur, elle a fait un bon choix de servir le Seigneur tout au long de sa vie. Sœur Elisema Jacques a choisi de se faire membre à l'Église évangélique haïtienne de Somerville en novembre 2001. Elle a travaillé sous l'administration de son pasteur à la personne de Exénor Paul Février pendant 23 ans. Elle ne cessait pas de donner son temps pour le travail du Seigneur. Elle était membre du comité de département des dames, mais avait l'œil ouvert partout où elle pouvait donner ses conseils. Ma dernière visite à côté de son lit est inoubliable. L'été dit, c'est un gros bagaille, oui, les mouns portent la scène by mon à domicile. Mon dernier devoir et au revoir à sœur Elisema et jeune Jacques était un moment qui ne sera pas oublié. Elle n'était pas simplement un membre de l'Église, comme ça, qui vient pour se croiser les pieds et les bras à l'Église. Elle a travaillé d'arrache-pied pour l'avancement du règne de son maître. N'allons pas oublier la sœur Ima, et je vais demander à tout un chacun de savoir que nous ne sommes pas ici pour adorer le corps mort de sœur Ima, mais nous sommes ici pour rendre notre dernier hommage, pour faire de notre mieux, pour exalter le Seigneur ensemble, pour prier ensemble, pour encourager les membres de la famille. Alors, chers frères et sœurs, étant pasteur de sœur Ima qui nous a délaissés, je vous demande de nous aider à exalter le Seigneur, à glorifier le Seigneur pour la vie de cette servante. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, à côté de ces dépouilles mortelles. We are here to praise the Lord and to glorify God for the life of our sister Elisema et jeune Jacques. Et je me sens réellement content de voir le frère Kualo dans l'assemblée. Et ça me fait grand plaisir parce que frère Kualo est avec nous. It's my joy to see frère Kualo, brother Kualo, father of Elisema Jacques. And I feel that the Lord is here, and we're expecting that he will be with us from the first minute to the last minute. I'm asking you to sing with us when we're singing. Pray with us while we're praying. Listen to the gospel with us while we are preaching or reading the Bible, because we are here for that. And we're expecting the Lord will visit us, and we're expecting you'll be joyful, even though your human system asks you to cry. But I hope that the Holy Spirit will bring in your heart a message, in order that you can spend this time under the grace of the Lord. Now it's my privilege to turn the platform to le frère Jean-Aubert Vildor, qui va débuter le programme pour nous. Il sera comme membre, n'est-ce pas, maître de cérémonie. Mais je voudrais demander à tout un chacun de suivre avec nous le programme. Nous n'allons pas appeler chaque personne en particulier. We're not going to call every name that in the program, but we're asking everybody to follow the program with us wherever you are located after the first, the second, and there's a few disciplines that we put there. You may have only 2 minutes or 5 minutes or 10 minutes. The choirs only have 10 minutes. Nobody else has 10 minutes. So follow with us. It's my pleasure to introduce to you Frère Jean-Aubert, qui va nous conduire dans le premier chant et vous assistera aussi en quelque sorte dans quelques autres parties du programme. We introduce to you Brother Jean Robert
Vildo. He's going to open the service with you by the first song. God bless you. Chers frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Nous nous retrouvons en l'église missionnaire de la communauté haïtienne avec l'église évangélique haïtienne de Somerville, que dirige le révérend Exénor Paul Février, pasteur. Et maintenant, nous sommes ici, comme de dire le pasteur, pour célébrer la vie et pour rendre un dernier hommage bien mérité à la sœur Elisema Eugene Jacques. Pour débuter le service de ce matin, nous allons entonner ensemble ce cantique bien connu que nous trouvons dans la partie française des Chants d'Espérance en nous mettant debout. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel dans le ciel. Ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Venez ma voix au cœur des anges, Emmanuel, chantez à jamais, c'est l'orange, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivant avec Jésus, dans le ciel. Victoire, c'est là le bonheur.
Restez debout pour la prière. Seigneur, à toi la gloire, l'honneur, la magnificence, à toi l'éternité. Ce matin, nous reconnaissons notre faiblesse, notre petitesse. L'homme n'est pas le maître de son destin. L'homme n'est pas le capitaine de son âme. Toi seul es grand, incontournable. Et comme Moïse, nous disons, avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons. Seigneur, nous réclamons ta présence dans la cérémonie funéraire de ce matin. Que tout se fasse pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui soit la gloire, la puissance, l'honneur et la majesté au siècle des siècles. Amen. Praise God. Praise God. We'll stand for the reading of the word. Our word will be taken from 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Believers who have died, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who have slept in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's word, we tell you that we are still alive. Who are left until the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and our left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. Therefore, encourage one another with these words. The word of the Lord. Et maintenant, nous allons entonner ensemble encore un autre cantique que nous trouvons dans la partie française des Chants d'Espérance. 260. Oh, quel beau jour où devant ta face, tout est racheté, apparaîtront en célébrant la gloire et en ta gloire et ta grâce de leur chant, les cieux retentiront. Quel beau jour devant ta face, tout est racheté, apparaîtront. Prends la grâce de leur chant, et le sentiront. Que nous irons la rose innombrable, et des plages, je
adorable, c'est un reflet dans l'éclat des cieux, tressaillant de bonheur ineffable sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera bon lorsque nous irons là-haut, ose nous épier le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Mais au sein de vastes océans d'ange, nos cohortes de vers s'élèvent. Daphné Jacques est invitée à se mettre en chaire pour présenter la biographie de la défunte. We are asking you to be patient for a few minutes. Daphne is coming to read for you the biography of her mother. On behalf of my family, I'd like to thank all of you for joining us today. We are grateful for your presence and for the many comforting messages we have received since our beloved mother has gone home with the Lord on April 8th. Thank you. Writing the eulogy for my mother is at once easy and difficult.
easy because of her exemplary character and well-lived life, and difficult because my mother, this was my mother, and this is yet another reminder that this will be the last time that I will see her on this side of eternity. There's a reason why the Bible describes death as the last enemy. My mother was the epitome of a virtuous woman depicted in Proverbs 31. She was wise, generous, compassionate, hardworking, and faithful. Above all, she embodied the greatest virtue, love. She loved the Lord, she loved her family, she loved her friends, and she loved the unloved. My mother's passion for traveling and experiencing different parts of the world will always serve as a source of inspiration for me to follow in her footsteps. I'm deeply grateful for the cherished memories we created while planning her trips and reminiscing over the post-trip photographs. Adhering to her steadfast rule, she had one rule. Any pictures that didn't have her in it were unworthy and must be deleted. That was a testament to her commitment to living in the moment. Occasionally, she would insist on deleting some of the pictures of herself smiling and said that she didn't like those pictures too much. Today, I stand before you grateful for having insisted in preserving those moments. These smile pictures now will serve as an endearing souvenir of my dear mother. My mother's unwavering love and boundless generosity towards her family and church community were unparalleled. Her legacy of love and devotion will forever be cherished and remembered. I will deeply miss her requests for me to contribute to a church in Haiti, as well as her enthusiasm for assisting her Sunday school group in winning the church's annual festival. Often, due to her donations and proud collections, her class won. A few years ago, my mother embraced a child from the Love a Child Foundation. Together, we journeyed to Haiti personally to meet Miss Daflo, the young lady she adopted. My mother believed it was fate because of the striking similarity between the young lady's name and mine. I am committed to honoring her legacy and continuing to monthly donations for Miss Daflo. During her year away from her community she's built and cherished, many of you reached out via cards, phone calls, and visits. And when you did, it was usually the first thing she mentioned to me every day she saw me. Guess who called me today? I got a nice card from so-and-so, left it on the counter for me to see. She would tell me who came to see her or that the church group stopped by to pray for her. She loved the phone calls that she would get every night from different prayer groups that she had for a year and a half. Every night, she prayed together with her most cherished friends. When she received cards with money, the first thing she would do is ask me to buy a card so that she could send that money back to somebody else that she felt was more in need. My mother was always one to put the needs of others before her own. The single most important thing Mommy taught me was to love God and His Word. The abiding memory of my childhood is her teaching me some songs from the Shonispinas. The church, the Bible, and the Word were her source of wisdom, comfort, and joy, and I am eternally grateful for the example. She would tell me, "People will let you down, but God will never." Mom saw me through numerous trials throughout the 36 years we were together. Lies, disappointment, broken hearts, relationships, and deaths. Throughout all, Mommy taught me to depend on who was the one He'll said He'll never forsake us, who faithfully keeps His promises and speaks only truth.
We will have troubles in the world, but Jesus has overcome the world. We can find peace in him. We can't give up. We've got to hold on to our faith. Throughout her life, Mom faced challenges that would have led many to quit or become bitter. Mommy rarely mentioned her constant aches and pains. Instead, she clung to God's mercies, which are new every morning, and encouraged those in her own inner circle to do the same. Quoting one of her favorite Bible verses, I could do all things through Christ who strengthens me. Her final struggle was no different. I watched her battle violently to stay with us, her tiny body so frail and racked with pain, and her mind often overwhelmed with images, some pleasant, others troubling. As I marvel in her tenacity, I remember the Apostle Paul's debate in his letter at the Philippians. He knew it would be best for him to personally to depart and be with the Lord, but he preferred to remain in the flesh to benefit his children in the faith. I keep thinking I'm going to break down from this weight of tremendous loss, and I suppose the time will come when grief overwhelms me. I stand before you today, not in my strength, but by the power of the Spirit, the same strength that my mom depended on. I know from losing my mom that it's often the little things that get to me, that get to all of us, not the things or big events that we prepare for. Every morning, I call my mom to say good morning, or I'll call her to ask her random questions about life, questions I wholeheartedly believe that she was the only person that had the right answers to. My mother's words were Bible to me. Now I reach for my phone, then remember I can't call her anymore. It brings a sadness I never thought I was capable of feeling. I'm really struggling with these feelings. But I also know how blessed I've been to have her godly influence. Mom will always be forever with me, with all of us. She lavished me with so much love and care and wisdom on me that my heart will be filled forever, overflowing for the rest of my life. I'll hear her voice encouraging me and be inspired by her sayings and example. I will never again have the unconditional love and acceptance she has always shown me. I invite you to join me in honoring my mom's memory by embodying some of her characteristics, which she turned modeled after Jesus. Her love for God and others, her welcoming smile and steadfast faith. May we grieve her passing well, not as those without hope, but as those who have unwavering assurance in Jesus' promise to return. We look forward to the fulfillment of John's prophecy. The Bible says, when I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more, I saw the holy city of New Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people. And God himself will be with them as their God.
He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. Former things have passed away. Amen. Can you say anything? Thank you. Warrior. You want to say something? You want to say something? Thank you very much, Daphne, for all you had put together for us. I'm going to call on the driver with the car, Toyota RAV4, plate number 2ECX43. The driver with Toyota RAV4, plate number 2ECX43. If you don't go out now to take your car away, they will tow it out. And please, all the drivers, please, think about where you put your car. We have the permission from the city not going to have ticket here in the area. But if you put your car in the entrance of a garage or by the fire hydrant, they will ticket you. They're not going to take that ticket away. But if you put her in a residence place, and then they give you a ticket, you can leave it with the church, and the traffic department will take it away for you. But if it is violation or handicap or nan bouche incendie ou bien entre caille moun ou bien garage moun ou meteli, you pas prêter ticket ça. Though I hope everybody understand it, please. Review where you put your car, because I don't want you to have a ticket to pay because you came with us for this celebration. Now we're going to have different choirs singing for you, one after one, and I hope the ladies are ready, and after the ladies, the youth department, youth choir, and then I hope you're going to enjoy these minutes of listening to the choirs. Now the ladies. And please get ready. Any minute we lose, it's a big loss, you know. And I need half hour for the preachers. If you don't get ready for that, if you waste any minute, that half hour, I will take it anyway, because we got a program quoted for 2 hours and 2 minutes. Please, let us do what we have to do in good order.
Amen. Amen. We say thank you to the youth department. We say thank you to youth department. One of the songs that they had sung already, Sister Emma, in my last visit, and then my last au revoir to her, she had a request. On my first visit, when I said, Sister Emma, what would be your request? The pastor, Name Bon Dieu. Bon Dieu, Kembe Namen. My last visit to her on April 4th, while I was leaving her, I said, Sister Emma, have you changed your request? No, pastor. My request is, Mon Name Bon Dieu. And then you did good by singing that song there. And then when I was in her, I pressed her hand and said goodbye. And I said, Seima, Nkito nan men bon Dieu. Est-ce que l'église attendait ça me dire, hein? Into the hands of the Lord, I left her on my last visit. That was her testimony. And I thank God for the song that the youth department had sang for us. Now, I made a mistake somewhere, and excuse me, that we have to correct that mistake there. And we have Sister Benita, the sister of the defunct, and some other members of the family members who would like to say something. But let us offer it, Sister Benita, and Franz is coming to do a special song. My Franz Alexandre will come to sing. I've demanded to Marie-Ange, Alex, Marie, Franz Alexandre, to come and sing. And after he finished singing, I've corrected some things that were passed well in the presentation of family. Sister Benita, avec l'autre membre de famille, va venir pour dire qui choye. Très cool, à la gloire de Dieu. Please, try to reduce everything for me. Amen. God bless you. God bless you. You want my mic? Okay. I dreamed of a city all glory, so bright and so fair. When I entered the gate, I cried, holy, the angels all met me. To mention, and all the sights I saw, but then I said, I want to see Jesus, the one who died for me. I bowed on my knees and cried, holy, yes, holy, holy. I clapped my hands and sing glory. Oh, so much glory to the Son of God. And I sing glory
Non, belle, si c'est ça, tu te ferais mieux, tu reconnais moi. Oh, y'a moi tout et moi, toute belle place qui n'en ciel là. Ak lot bagay kem pa son kabes like mwen mwen Abraham mwen mwen Mark mwen mwen Timote oh pale ak Luc hey sa tande sa mte ti yo. Mais moi, si yo, pour yo mène, moi, Jésus. Oh, c'est lui-même qui se mourit pour moi. Oh, ma chenou, et moi, crie, oh, c'est Seigneur. Oh, Seigneur, moi, levez-moi et criez, oh, Seigneur, oh, Seigneur. Petite toute gloire, au petit monde. Et let us wait for Sister Benita to come forward, please. Praise the Lord. Thank you, Sister France, for that selection. And we're happy to have you again in Somerville in a hard time, but God is still here. Praise the Lord. Nous attendons ce bénéfice avec quelques autres membres de famille et nous espérons qu'il fait de la vie pour nous. Une nacelle en silence vogue sur un arc d'azur. Tout doucement elle s'avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain, le vent s'élève, chassant un nuage noir. Et les vagues qui soulèvent font trembler. Car c'est le soir.
et les vagues qui soulèvent font trembler, car c'est le soir. Maître, es-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Ton miracle est possible. Sauve-nous, nous t'en prions. Le aussitôt, il s'avance, puis il dit, au vent étoile. Et tendrement, l'air reproche d'avoir eu si peu de foi. Et tendrement, l'air reproche d'avoir eu si peu de foi. Ainsi souvent dans la vie, l'orage assombrit nos cœurs. Bien que pour nous Jésus prie, prêt à calmer nos terreurs, contempler mieux sur ton sa tendresse, son cœur de de ses brebis en détresse. Oui, il est toujours le berger de ses brebis en détresse. Joule es-tu insensible? Tu le vois, nous périssons. Ton miracle t'est possible. Sauve-nous, nous t'en prions. Good morning. My name is Ted. I'm Bonita's son, Tati's youngest sister. And before I start, I'm going to basically speak on behalf of all our
all of her nieces and nephews. But before I start, I would like to actually call them up, if I can grab all of you, Christy, Jonathan, Samantha, all of you guys, if you guys can come up beside me, Natalie. Alan, I don't see Alan. Okay. So, I'm sure we all would like to take time to share moments one by one, but due to time, I'm gonna do the best that I can to basically bind our hearts together and express all our love that we have for her at this moment. So today we are honored together to celebrate her life, to celebrate someone truly special, someone who has not just been an aunt to us, but a beacon of love, support, and strength to all of us. Our beloved aunt was more than just a relative. She was the very heart and soul of our family. With unwavering love and boundless compassion, she held us together through both joyful and bad and challenging moments. Tasi Ima was an anchor in his family. She kept us grounded. She was ever so mindful of us. She let us know that she was always interceding for us, even when she was not well. She always told us to stay strong and never stop praying. There's prayer calls that her siblings do a couple of times a day, multiple days during the time of her illness. And there's times when I would listen in to her calls and to the calls for her, and she's the one praying harder than everybody else in the calls. That's how strong she was. She was a fighter. And she did not allow that battle to go, let her just take her out, but she fought hard and intercede and kept us strong while she was the one that was in pain. Her generosity knew no bounds. She gave not only her time but her and resources, but also our heart. She touched so many lives with her kindness. I could be up here all day if I were to share all the testimonies and countless times she helped me and my household. For those who don't know, my grandfather has been staying with us. Her father has been staying with us for several years in New York, and that does not stop her from making impact from afar. She would always have the contact number of the home aide that was there to make sure they treat him well. She would always send him money just to have, because it's not like he's gonna do anything with it, but always make sure he has money in his pockets. It even got to a point where she sent random DoorDashes of groceries to my house just to make sure he's well-fed and well-supplied. He always made sure he had everything he needed. See, the type of person she was, she didn't care if we was already doing everything he needed for her. She needed to make her impact. That's just the type of person she was. She was always ready to play her part. She would never sit on the sidelines, to the point she made herself my mom, when during her wedding, she made herself the maid of honor. And when my younger brother was conceived, Marcus, she appointed herself as the godmother. Because whether you like her or not, whether you ask for her or not, she will contribute and leave a mark. Whether it's events, parties, celebrations, she will be the first to pitch in, because she had to do it big. She had a queen complex to her. She was the star of the show and the most active. I love her, we love her. A woman of impact and mercy, impact and a legacy. Tasi was just an overwhelming and overall genuine person. A mother to all of our brothers and sisters. A mother to her nieces and nephews. Tasi
always put happiness before her own, other people's happiness before her own. Although she was sweet and kind woman, she was also fierce as well, and was very fierce and always was ready to protect her own. There was not a day that we visited Tatsi that she didn't log it some money in our hands. You know, whether we're Timun or Gumun, she always was to treat us like our own child. These are words specifically from Geneva, her first niece. And she said, "As I try not to question God's purpose for calling you so soon, I sit in love. You have shown me from a baby to show my own baby how to love. I thank you for showing me that love so much. I will miss you and miss your love forever. Your caring nature, your big heart, your big and giving heart, your determination and strength, your amazing sense of humor, and I will surely miss you laughing at things, especially when they're rude or funny." This is from her niece. You know, to be her, so it was, she said, it, to be her niece was an honor. And she said, "Tati was a big protector and of the Eugene family. Although Tati is not here she will always and forever live through us. We will never say farewell, but see you again." So let us take comfort in knowing that her legacy of love will continue to inspire us and bind us together as family, just as she always did. Now I close with this. Although she may no longer be with us in body, her spirit lives on, and her spirit will live on forever. And not just because she was a great mother, or a wife, or a sister, or a daughter, or an aunt, or a friend, or because she was loving and caring and impactful, because she left such a legacy, but the reason why her spirit will live forever is because she put her faith in the Lord Jesus Christ, our Savior. Can I get an amen? Amen. So we don't just come together and celebrate her life here on earth, but we rejoice that the kingdom of heaven has embraced her. And now she's in a place where there is no suffering, no pain, no loss, but everlasting freedom. So I end this with this verse here. For Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and lean on me, because I am lonely and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." So as Tati Ima has found eternal rest in the kingdom of God in heaven, let us find that same rest on earth by accepting Jesus Christ ourselves in our hearts. If you haven't done that already, and I say amen, that God bless you. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Amen, 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 amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous représentons la famille élargie de notre bien-aimée sœur Elisema Eugene Jacques. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un jour pas comme les autres. Notre sœur Elisema a fait son grand voyage pour l'éternité bienheureuse. Célébrer la vie de cette femme exceptionnelle, une épouse, une mère, une femme vertueuse, une femme de parole, l'amie de tout le monde, une personne qui a su mettre de côté ses besoins pour répondre aux besoins des autres. Un leader charismatique qui inspire et motive les autres par sa personnalité et son charisme naturel. Notre sœur nous a laissés. Oui, ça nous a fait vraiment mal, très mal. Mais sœur Emma a tracé la route pour nous qui sommes encore vivants de vivre une vie exemplaire pour plaire à Dieu. Ce n'est jamais facile de perdre quelqu'un qui compte tant pour nous lorsqu'une personne qui nous est si chère décède. Il est difficile d'exprimer avec des mots, n'est-ce pas? Les mots ne suffisent pas. On n'a plus les mots. Et à quel point elle comptait pour nous. Son souvenir restera gravé des moments inoubliables. Nous avons connu des moments de fête. La sœur Emma, c'est la première personne qui va arriver à Brooklyn ou n'importe où quand on a une fête, une célébration. N'importe quelle célébration. Un mariage. Célébrer la fête de naissance de quelqu'un. Vous vous imaginez? Et avec son sourire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Parce que sœur Irma ne serait plus là dans nos fêtes. N'est-ce pas? Elle ne serait plus avec nous dans les fêtes. Elle est toujours là. Je sais que tante Agathe n'est pas là aujourd'hui. Tante Nicolas est là. Et les oncles, ils sont là. Irma, c'était le leader. J'en parlais à ma sœur. Elle m'a dit, qu'est-ce qui va remplacer Irma? Je lui ai dit tout carrément. Irma est irremplaçable. Parce que la sœur Irma a été créée unique, n'est pas spéciale, unique. Unique en son genre, unique en tout. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas comparer. Elle n'a pas de compétition. Parce qu'elle est spéciale à nous. Nous sommes là parce que vous ne pouvez pas comprendre. Je sais, merci au pasteur Février, merci beaucoup aux membres de l'Église. Mais nous, la famille élargie, on ne sait plus quoi dire. Emma, la personne qu'elle représentait pour nous, restera toujours gravée dans notre mémoire. Parce qu'on ne pourra jamais la remplacer que de souvenirs, des petites rencontres familiales. Et en 2017, la sœur Emma a inauguré une prière familiale. On se rencontre chaque samedi matin et chaque dimanche. Si c'était moi, j'allais laisser tomber à coup sûr. Mais avec sœur Emma, nous pas de quitter prier ça. Nous promettons, ma. Nous promettons, on a prêté ensemble, on a continué. Nous promettons ça. Parce que la famille, c'est une racine implantée. Même si branchio et papillé partout, mais n'a prêté en tant que racine. Oui, en tant que famille, on peut vaciller, on peut avoir des hauts et des bas. Mais nous promettons prière ça, que on a commencé en 2017, là. Oh, Seigneur, m'a témoigné devant tout le monde. N'a qu'un bébé prier ça. Parce que les branches qui poussent dans toutes les directions, mais ces racines ne font qu'un. N'a prêté ensemble.
Je ne vais pas dire bon courage à Papi Wally, à Papi Pierre, à Daphné, à Jeffrey et famille. Même connais-nous, non, mais bon Dieu. C'est lui qui bon force pour camper ma terre. Et ma soeur, il pourrait dire deux mots. Excusez, oui, nos pasteurs. Il pourrait dire deux mots pour qu'on clôture le moment ça. Ma cause, sister, Ilma, superintendent, because that's what you are. 2017, you created that prayer, and just before you left us, amen, give me the torch to lead the prayer. Yes. Like my cousin said, we will continue the prayer every Saturday, every Sunday. May God bless you. And I thank God for your life, for the short life. He gave us, you to us, and we thank God for that. You will be missed. On those BBQ, you know those, the weddings, the parties, you will be missing. And we thank all of you for coming and celebrate our cause, Ilma. May God bless you. Mes chers amis, qu'on est là, n'a pas incliné nous pour la prière. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, Seigneur. Matinée ça, nous venons à présence dans le nom de Jésus. Premièrement, pour nous remercier pour grâce qu'on fait nous, de ce que nous sommes capables de réunir ensemble, de partout, de loin et de près, pour célébrer la vie de ta servante. Nous avons gloire de ce que vous te permettez de faire un impact dans la vie en plus le monde, Seigneur. Et plusieurs mondes témoignent comment ils étaient un exemple pour eux-mêmes. Père, nous venons devant, nous sommes là, nous n'avons pas de mots pour nous utiliser, pour nous consoler des gens. Qui est-ce que nous sommes? Car vous dites dans la parole de Dieu puissant que c'est vous-même qui baillez la vie, c'est vous-même, Seigneur, qui essuie les larmes de nos yeux dans le livre d'Apocalypse. Maintenant, nous venons dans la présence dans le nom de Jésus. Pour nous adorer, Seigneur, dis des mots, suis les larmes qui sont dans le cœur des petits qui devant nous matin. Essuyez un réconfort, un mot, Seigneur, que moi-même pas connais, que l'autre monde pas connaît, que pasteur peut-être pas connaît, mais vous-même vous connaissez exactement ce qui est nécessaire pour soulager les cœurs dans ce moment. Ô notre Dieu, fortifiez-nous en le temps de difficile, Seigneur. Nous connaissons pas, dans ta parole dit que nous va laisser monde ça. Et nous va voir face à face et toute larme que dans nos yeux nous toute crier nous toute tourment nous toute inquiétude nous va passer mais je dis à nous besoin un mot dans main nous besoin yon parole dans main et chaque cœur qui l'a matin Seigneur besoin quelque chose de ta main pour sentir pour le sortir pour sentir que ce trou qui est resté il pas resté vide parce qu'on remplit avec l'amour par au Seigneur nous bénissons vous pouvez déjà dans le passé et aucun coup qu'à faire encore aujourd'hui. C'est vous-même qui baillez la vie.
C'est vous-même qui soutenez les cœurs qui attristés. C'est vous-même qui suivez l'âme de nos yeux. Et vous dites, en dernier jour, les trompettes là va sonner ensemble. Et c'est là que les faits qui étaient en harmonie avec vous. Ensemble, nous va monter, nous va voir face à face. Nous avons tant de jours ça. Et ce jour aussi, nous avons espéré vos servantes, nous, qui aujourd'hui, qui passent pour l'éternité. Les mêmes tout va là pour célébrer avec nous. Et nous connaissons, nous va réconforter que nous, l'entend des mots ça, dans le livre de Thessaloniciens, qui fait nous connaissons, nous va réconforter que nous, l'entend connaît que au dernier jour, nous va oui, tout ça que nous t'aimons, mais nous, qui t'es dans le Seigneur, parce qu'ensemble, nous va louer le Seigneur pour toute l'éternité. Que ta grâce soit sur nos pères, nous t'en prions, par les mérites de ton Fils, Jésus, notre Sauveur, à lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Pleine paix, Jésus, en ta présence. Pleine paix, soutenue par sa main. Pleine paix, gardée par ta puissance. Pleine paix, tout le long du chemin. Et c'est un cantique spécial recommandé par la famille Eugène Jacques. Pleine paix. En nous mettant debout, s'il vous plaît, et chantez de bon cœur ce cantique. Pleine paix. Pleine paix. Jésus en ta présence, premier et dernier. Pleine paix, Jésus, en ta présence. Pleine paix, soutenue par ta main. Pleine paix, gardée par ta puissance. Pleine paix, tout le long du chemin. Parfaite paix. Paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur, me déçoit sans peur, je suis lumière de Satan m'assaille, pleine paix. Parfaite paix, douce paix. Parfaite paix, douce paix. Même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur. Sois sans peur, je suis la lumière de qui me suis. Parfaite paix, douce paix. Parfaite paix, douce paix. Même en marchant dans la plus sombre nuit. Sans peur, je suis la lumière de qui me suis. Amen. Amen. Merci, mettez-vous. Merci, frère Vildor, et moi, pareil, mais fait ça, mais moi, obligé de faire encore. Il y a une bonne machine, qui n'a pas guidé l'autre machine, que j'ai intention pour tout. Alors, nous, on a regretté ça, vous t'a sauté ou pas d'avoir une machine. Non? Mais si vous avez un monde qui n'a pas guidé l'autre machine, ou bloqué la machine, l'autre, je ne peux pas aller,
gen chans pou tou machine sa. Mda regret sa, men si yo dwe fèl, la loi de la circulation mande pou chofè a kont tout règlement sa, wa sa? Allo? Allo? Madame Pesson, on garde des mauvais souvenirs à l'occasion funéraire chez Ima. Hein? Alors, débrouillez-vous, pensez à qui côté vous mettez machine pour être sous pâté mal parqué. Now is a special time for me to acknowledge the ministers of different churches that came forth to support the family members, to support the Evangelical Haitian Church of Somerville, and particularly Pastor Février, who is the pastor of this church. I feel honored to tell you from Côte d'Ivoire, we have Ruben Jedone, who left Côte d'Ivoire to come in here to attend the funeral of his dear sister, Emma. Brother Ruben, where you are sitting? Where est-ce que vous êtes? Huh? He's come back. Ok, à côté gauche de la chaîne. Merci Ruben d'avoir laissé toutes vos occupations pour venir avec nous. J'apprécie ça grandement. Je vous pense que les différents pasteurs qui sont ici en chair avec moi, ils diront seulement leur nom et il n'y a pas de temps pour d'autres choses. Alors, que chacun dise son église et pourquoi ils sont ici, alors ils ne peuvent pas dire ça parce que tout le monde le sait. Bonjour, Kwaku. Would you tell the people? My name is Dr. Philip Abrekubonzi. I'm honored to be part of this today. Mon nom c'est Joël Vibert et bien sûr, j'exerce mon ministère en Haïti, mais j'exerce aussi un ministère ici depuis les années 80 et j'ai fait la connaissance de la sœur Irma, de la sœur Irma parce que c'est le nom que je connais en fin de compte et c'est un plaisir pour nous d'être là ce matin avec les parents pour les accompagner. Et ma femme est aussi là avec nous. Pasteur Dieufort Fleurissin, Pasteur Kiki, Sœur Emma pas jamais plié nom, il est toujours bien nom, toujours pas encouragé. Nous comptons pour nous capables de célébrer la ville jeudi. Bon Dieu bénis. Savez-vous que Kiki devient pasteur, pas vrai? Hein? Il est maintenant révérend à Fleurissin, qui dirige une autre église là à Matapen. Matapen. So, bienvenue. Pasteur Samuel Lucien, ça fait plus de 20 ans que j'ai rencontré la sœur Ima. C'est une amie très, 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 très personnelle, sœur Ima. Je suis Manassé Jean-Pierre, je viens de l'église haïtienne de Somerville et je suis très content pour être ici pour célébrer la vie pour l'éternité. Une autre dame assez chère pour Sœur Emma, c'est la Sœur Isabelle Février. J'aimerais qu'elle salue l'Église. Mon nom est Isabelle Février, la dame de Pasteur Février. Tout le monde connaît, pas vrai? So, Sœur Emma, c'était pas me l'idée. So, il parti, lui devant, moi derrière. Bon matin, mon Dieu, tout de suite, non? Faut me supporter, faut au lit. C'est un pile mouton de vous parler ça là. Bon, et savez-vous que vous êtes en ordre aussi, hein? Alors maintenant, la terre entière entend ce que c'est février a dit. Mais moi, je vais faire un contre-prière. Amen. Pour ça, pas arrivé parce qu'il faut me supporter, frère Wally, il faut me continuer à la famille, il faut me continuer avec vous. Alors, que le nom du Seigneur soit béni pour tout un chacun qui se trouve ici pour nous supporter dans ce moment douloureux.
Est-ce qu'il y a un autre pasteur quelque part, assis en quelque part, ou bien dans l'assemblée à l'autre côté? Is there any other ministers in the church? Là-bas, ici, ses frères, pasteurs, docteurs qui? Gloire à Dieu. Merci. Merci d'être venu. Il y a un autre pasteur en bas. Jean-Claude, pasteur Jean-Claude, bienvenue. Merci beaucoup. Bon, nous disons merci à tout le monde et quel que soit. Bon, nous avons persécution à faire machine. Ça, c'est l'autre message. Vous pouvez commencer tout machine. So, si vous mettez machine au mauvais côté, please, pas quitter tout machine. Non. Nous avons besoin de l'argent pour payer tout. Et nous avons besoin de machine pour nous continuer le ministère. Pas ça? Pas quitter tout machine. Nous avons mal paqué. Please, don't let that happen. I want you to have your car after the service to go home. It's running out there. Please, would you please let me just tell them what I know? Many messages came to me, and I don't want that to happen after the service. You don't have your car to go. So please do your best, and I want you to come back, drivers. Don't stay out. I want you to come back, and I don't want you to get wet either. Amen. Bon. Au grand regret, nous n'avons pas de parking pour recevoir tout le monde, alors même que votre désir pour encourager la famille, nous apprécions grandement. Pas qu'il y ait l'autre bagaille qui vient mettre la peine dans le cœur, et soyons ensemble et me faire annoncer. C'est une bagaille qui ne peut pas faire pendant le service. Je ne peux pas faire, mais pour éviter ça qui est mal, plutôt, résiens font une bagaille qui ne peut pas faire. Alors, please. Chauffeur, dès que vous mettez machine, vous mettez l'autre machine, vous mettez le driveway, vous mettez pour vous hiding, vous bouche incendie, ou bien non, etc. Please, 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 please. I hate to pay ticket. Hein? OK. Are you with me? Plein de paix, Jésus en ta présence. Vous chantez ça, pas ça? La grande chorale maintenant. Va présenter un morceau et j'espère que cela fera du bien aux âmes. N'est-ce pas fatigué d'entendre cette affaire de retirer machine? Alors, j'espère que tout ira bien au nom de Jésus. Maintenant, on prie pour écouter Maestrat Chama avec la grande chorale de l'église évangélique haïtienne de Sommerville.
Amen, amen. Maintenant, Pasteur Manassé va vous lire une autre portion de l'Écriture du livre de Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Maintenant, debout pour écouter cette lecture. Let us stand together to listen to that reading. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 au verset 18. Je lis pour vous. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parole du Seigneur, rassoyez-vous s'il vous plaît. Excusez-moi, mais restez debout avec moi. Je vais vous introduire le messager du jour. Stay, please, remain standing with me. I'm going to introduce to you the preacher of the morning. Vous allez écouter Dr. Samuel Lucien de la prédication du jour. Et étant pasteur de Sœur Emma et de l'église évangélique haïtienne de Sommerville, je me sens fier d'avoir ce serviteur pour présenter le message du jour à la gloire du Seigneur. Il a connu la Sœur Emma pour longtemps. Et s'il avait demandé aux membres de la famille, à Jacques ou Eugène, leur choix, je pense bien qu'il aimerait certainement utiliser Pasteur Samuel Lucien. Et qui est Samuel Lucien? Dr. Samuel is the current country director of a Mission of Hope in Haiti. Now he is working at the headquarters in Texas. Mission of Hope is an international NGO, non-governmental organization, working in Haiti for more than 25 years. Dr. Lucien is the former dean of the theological seminary of the Assemblies of God in Haiti, where he had the privilege to train many generations of pastors. Dr. Lucien is an active pastor of the Assemblies of God in Haiti. Worldwide mission for more than 20 years. Pastor Lucien holds a PhD in theology and a master's degree in administration. Without counting all his other capacities and responsibilities in the field of the ministry, this morning, those titles you hear are not the only titles he has. But for me this morning, I'm rejoicing to sit down to listen a preacher of good quality and high education preach in this occasion. And I'm going to be sitting there, and I'm asking you now to sit down while you're going to listen to the message. And I'm hoping that you're going to live here with a good souvenir. Avec nous, nous avons Pasteur Dufour Fleurissin, et homme de la localité, serviteur de tous dans la communauté de Boston. Et je me sens
fier de l'avoir comme un autre pasteur dans la communauté. Amen. Il travaille longtemps dans la communauté de Boston comme tax, n'est-ce pas, men, etc. Et manque de. À dire la situation est capable d'arriver dans la communauté, à tout campé pour les Haïtiens. Et ce matin, je suis fier de l'avoir comme interprète pour passer mon sens. I'm proud to have him as an interpreter who is going to interpret the message for Pastor Lucien. Frères et sœurs de la foi, mesdames, messieurs, que la paix et la grâce du Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, soient avec chacun de vous. Brothers and sisters, in the faith community, may the peace of the Lord, of the grace of our Lord Jesus Christ be with all of you. I want to say thank you to Brother Dieu, for he is so kind today to translate my sermon this morning. Pasteur Fleury Saint, il est très tendre pour le capable aider mon interprétation jeudi. Je dis bon Dieu, merci pour ça. Le pasteur Manassé vient tout juste de vous lire la première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 13 au verset 14. Pastor Manassé just read for us the first epistle of the Thessalonians written by Apostle Paul from verses 13 to verse 17. Je ne vais pas vous relire ce passage. I'm not going to reread the passage again. Mais j'aimerais attirer votre attention sur la leçon fondamentale que l'apôtre Paul voulait enseigner dans ce passage. I would like you to focus on the fundamental theme of this passage. Il y a encore de l'espoir. Yet, there is still hope. Il y a encore de l'espoir. Yet, there is still hope. Il y a bien sûr cercueil. Il y a bien sûr un corps qui est paisiblement couché dans ce cercueil, mais paradoxalement, je vous dis aujourd'hui, il y a encore de l'espoir. Surely we have a dead body in the casket, but let me reassure you, yet there is still hope. Quand il m'a été demandé de partager le serment de circonstance à l'occasion de cette cérémonie consacrée à la célébration de la vie de la sœur Ima, when I was invited to bring forth the sermon to celebrate the life of our sister Irma, sœur Ima a une amie personnelle que j'ai appris à aimer et à connaître depuis 1999. Since 1999, I've known this beloved sister, this personal friend that I've met. Je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu voudras que je partage avec ton peuple aujourd'hui? I told my God, I asked my God, what you would want me to share with this audience today? Quoi dire à un mari qui a perdu sa femme après plus de 20 ans de vie à deux? What should I say to a husband who lost his wife after more than 20 years living together? Quoi dire, par exemple, à Jeffrey, à Daphné, qui assistent et suscitent de manière importante le départ de leur mère pour l'éternité? What must I say to Daphné, to Jeffrey, who lost their beloved mom? Et vous savez, Dieu m'a inspiré ce message en me disant, prière de partager avec mon peuple le message d'espoir. Il y a encore de l'espoir. But God has inspired me to share with his people this sermon, yet there is still hope. Wally, Daphné, Jeffrey, les membres de la famille de la sœur Ima, Dieu me demande aujourd'hui de vous dire qu'il y a cercueil, mais avec lui, il y a encore et toujours de l'espoir. Daphné, Jeffrey, all members of the family, yet despite the death, there is still hope. Dans Luc chapitre 7, il est raconté l'histoire de la veuve qui allait enterrer son fils unique. Luke chapter 7, there is a history about this widow was about to bury her dead. Au verset 13 à 15 de ce chapitre, il est écrit. Verse 13 through 15, we read. Jésus, ayant vu la femme, fut
ému de compassion pour elle. The Lord saw her, he had the compassion on her. Et il lui dit, ne pleure pas. And said to her, do not weep. En disant cela, il s'approcha ensuite, toucha le cercueil et dit aux morts, jeune homme, je te le dis, lève-toi. And he came up and touched the bier. And the bearers stood still, and he said, young man, I say to you, arise. Et la Bible dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. And the dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. En effet, la Bible ne dit pas que la mère était contente. The Bible doesn't say that the mother was rejoiceful. Mais on peut imaginer combien cette pauvre maman était contente en voyant revivre son garçon. You can imagine that how happy that mom was to see her child alive. Et plus tard dans Jean chapitre 11, and John chapter 11, en voyant Jésus qui arriva quatre jours après la mort de Lazare, Jesus coming 4 days after the death of Lazarus, Marthe, la sœur de Lazare, plongée dans une immense et profonde désolation, s'écria, Martha, the beloved sister of Lazarus, said, Maître, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. My Lord, if you were here, my brother wouldn't have to die. Sa sœur Marie fera elle aussi la même déclaration, à savoir, si où t'es là, frère n'en pas ta mouille. And then the sister made the same statement, if you were here, my brother would not have to die. Si c'était moi, peut-être, je dirais, well, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. If it was me, I would say all things come out to for what good. For Mais good. Jésus, lui, il disait, but Jesus said, où l'avez-vous mis? Where have you buried him? Et vous connaissez le reste de l'histoire qui a pris fin avec la résurrection de Lazare. With the resurrection of Lazarus. Vous pouvez, frères et sœurs dans la foi, imaginer combien Marie et Marthe étaient contentes en voyant leur frère revenir à la vie. Imagine that how Marthe and Mary have seen their brothers alive, how happy they were. Je suis convaincu, c'est ce qu'on aurait pu donner comme cadeau à la famille de la sœur Irma. C'est sûr, ce serait le meilleur cadeau qu'on aurait pu donner à Wally, Irma et Jeffrey. To give to all the members of the family this morning. Dieu n'a pas décidé de le faire ici. God has not decided to do. Mais il m'a confié une nouvelle pour vous ce matin. But God has given me a good news for you this morning. Il y a encore de l'espoir. There is still hope. On va revoir sœur Irma. We will see again our beloved sister Irma. Dans sa lettre aux Thessaloniciens au chapitre 4, les versets 13 à 14. In his letter to the Thessalonians, chapter 13 to 17. Apôtre Paul, en adressant les soucis des chrétiens de Thessalonique concernant la mort, the apostle Paul addressing the nightmare of death to the Thessalonians, identifie au moins deux faits qui confirment la résurrection des croyants et qui nous poussent à croire qu'après la mort, il y aura encore et toujours de l'espoir. Identify two important facts that give us the hope there is hope even after death. En effet, apôtre Paul voulait que les chrétiens de Thessalonique comprennent la réalité de la mort. Paul would like the Thessalonians to understand the reality of death. Afin, bien sûr, qu'ils ne se laissent pas affliger comme les autres qui n'ont point d'espérance. You should not be so afflicted by the death like those who have no hope. Il a écrit, et je cite, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. We do not want you to be ignorant about those who are asleep. C'est justement pourquoi il a présenté, disais-je, au moins deux faits fondamentaux qui confirment et qui justifient la résurrection des croyants. He gave us the two foundational trends to understand death. Le premier fait, c'est la véracité de la résurrection de Christ. And the first fact is the resurrection of Christ Jesus. En effet, apôtre Paul a écrit,
The fact that Apostle Paul wrote, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, believe that Jesus died and was resurrected. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. We should believe also that God will bring with them those who died in the Lord. En ce qui concerne la résurrection de Christ, il est écrit dans la Bible. According to the resurrection of Christ, it is written in the Bible. Plus particulièrement dans les évangiles. Particularly in the Gospels. Écoutez, qu'après la mort et l'ensevelissement de Jésus-Christ, after death and the burial of Jesus Christ, le premier jour de la semaine, the first day of the week, des femmes se rendirent au sépulcre au grand matin. The women went to the sepulchre early in the morning. Mais écoutez, lorsqu'ils furent arrivés, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée. And then when they arrived to the tomb, the rock has been rolled. Et comme elle ne savait que penser, and since they didn't know what to et étant rentrée de la Bible, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme je le disais, comme elle ne savait que penser de cela, as they could not understand, believe, voici deux hommes leur apparurent en habit resplendissant, And two men came to them in a shining clothing. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. They were so afraid and bowed their heads. Mais les deux hommes leur dirent, but the two men told them, pourquoi cherchez-vous parmi la mort celui qui est vivant? Among the dead, the one who is, il n'est point ici, il est ressuscité. There he is risen. Si. Après sa résurrection, Jésus a passé 40 ans sur la terre. Des gens l'ont vu. After his resurrection, Jesus spent 40 days on the earth. Donc la résurrection de Christ est une réalité. The resurrection of Jesus Christ, it is a reality. Et si la résurrection de Christ, de Jésus est réelle, real, donc la résurrection future des croyants, y compris bien sûr ce rima, est aussi réelle. Stand, then the resurrection of the believers in the beloved. Et c'est la Bible qui le dit. Si nous croyons que Jésus est mort, that Jesus died, et qu'il est ressuscité, was croyons aussi que Dieu ramènera et par Jésus ceux qui sont morts. Christ will bring, God will bring all believers, those who believe in Christ Jesus. Il y a encore de l'espoir. Still, there is hope. Et la garantie de cet espoir est ainsi trouve sa confirmation de la résurrection de Christ. And this guarantee that we have, we will see it happen and come to pass as the resurrection of the dead. Dans ce texte, apôtre Paul a présenté un deuxième fait. And in this text, the apostle Paul showed us a second qui confirme fact, bien sûr la résurrection future des croyants. And then that's just the future resurrection of all. Il s'agit de la planification ordonnée du processus de la résurrection des croyants. In a planification of the believers. Écoutez, dans Jean chapitre 14, les versets 1 à 3, 14, verse 21 to 23, Jésus faisait la promesse que voici. Jesus gave us this promise. Que votre cœur ne se trouble point. May your heart be troubled. Croyez en Dieu et croyez en moi. Believe in God and believe. Amen. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, after being preparing this place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Will also be with me. Et c'est là l'espérance des croyants. Si dans Jean chapitre 14, Jésus fait la promesse, Jesus gave the promise. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 5, in the first letter to the Thessalonians, according to
to chapter 5. Bien sûr, dans le but d'adresser les soucis des chrétiens de Thessalonique concernant la mort, l'apôtre Paul explique le processus de la résurrection des croyants. And the apostle Paul explained the process of the resurrection of the believers. Et cette résurrection, bien sûr, qui fait corps avec l'enlèvement de l'église. And then he's talking to those who believe in Christ Jesus. Et ce processus est ainsi établi. And this process has been established. Numéro 1, un signal sera donné. There will be a signal. Numéro 2, la voix de l'archange se fera entendre. And then all those who are dead. Numéro 3, la trompette de Dieu va sonner. And the trumpet of God will sound. Et la Bible dit, ces trois étapes une fois franchies, and those who believe in God, le Seigneur Jésus, notre Seigneur, descendra du ciel. Lord Jesus Christ, les morts en Christ seront ressuscités. And the dead in Christ, et ensuite les vivants seront transformés pour rejoindre les ressuscités. Bien sûr, dans le but de rencontrer Jésus-Christ dans les airs. And to meet the Lord in the air. Il y a encore yet, de l'espoir. On avait chanté tout au début, nombreux comme le sable de plage. Contemplez, mon Dieu, sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Il y a un troisième fait qui est caché dans ce texte. Ce serait la permanence qui caractérise cet espoir. And we'll be with Christ forever, permanent, that we have, and we have this living hope. Car l'apôtre a mentionné, nous serons toujours, toujours avec le Seigneur. Alléluia. Sœur Irma sera toujours avec le Seigneur. Sœur Irma will be always with the Lord. Alléluia. On sera éternellement dans la présence du Seigneur. Les souffrances ne seront plus. La mort ne sera plus. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 25 et 26, apôtre Paul écrit, et je cite, Corinthiens chapitre 15 verset 25-26. First Corinthians chapter 15 verse 25. Apôtre Paul écrit. 26, the apostle Paul wrote. Écoutez. Car il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verse 25 and 26 say the apostle Paul said for we. Car il faut que 1 Corinthiens chapitre 15 verset 25. 25. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. And the last enemy to be destroyed is death. Il y a encore. Yet de l'espoir. There is still hope. Il y a encore de l'espoir. There is still hope. Ce qu'il faut, frères et sœurs, remarquer et retenir est que l'espérance de la résurrection est réservée aux croyants. The hope of the resurrection is only reserved to the believers. Si vous voulez que cette espérance soit également vôtre, if you would like to own this living hope, vous n'avez qu'à donner votre vie au Seigneur. All you have to do is to give your life to the Lord Jesus Christ. En acceptant le sacrifice de la croix. Accepting the sacrifice of the cross. Le seul capable d'expier vos péchés. The only thing that can definitely wipe all your sins. Les croyants seront ressuscités pour être avec Jésus-Christ à jamais. The believed will be resurrected to be with the Lord Jesus Christ forever. Pour être avec Jésus à jamais. To be with Jesus in heaven. C'est un rendez-vous spécial. Now, this is a special, an appointed time that we have with the Lord. Serez-vous avec nous à ce grand rendez-vous? Would you be with us to this great reunion? Si vous voulez être là, vous n'avez qu'à répondre à l'appel de Jésus qui vous dit. All you have to do is respond to the urgent appeal from Jesus who says, venez à moi. Come to me. Vous tous qui êtes fatigués et chargés.
burden. Et je vous donnerai du repos. And I will give you rest. D'ailleurs, il a dit dans la Bible encore. It says in the Bible, et c'est Jésus qui l'a déclaré. And Jesus declared it. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Here, I am standing at the door. Amen. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, alléluia, j'entrerai chez lui. I will enter, je souperai avec and lui I will eat with him, et lui avec moi. Et cela pourquoi? Parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. I come to save and seek those who were lost. Ce matin, où cherchez-vous le This bonheur? Morning, what are you seeking? Où cherchez-vous le bonheur Where dans ce monde où tout passe? Are you seeking? Are you seeking? Are you seeking? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? Do you have in your heart a place for Jesus to dwell? Il y a encore de l'espoir. Then he will give you the hope. Il n'en est plus là. Mais nous avons l'espoir de la revoir. But Sister Emma had departed, but we have the hope that we will see her again. Nous pas besoin de perdre du temps, nous dit Emma. Don't lose your time. To rest in peace, reposer en paix. To her, say rest in peace. She will not hear you. Zamim ça me connaît depuis plus de 20 ans. My beloved that I've known. Dans la présence de Dieu, il m'a pas reposé. It's not resting. Oh, il va prendre le temps pour contempler, pour chanter la gloire de son Dieu. Yes, he took the time to contemplate and to sing his Lord. Il y a de l'espoir. There is hope. La résurrection de Christ, de même que le processus clairement défini de la résurrection, confirme la garantie qu'après la mort, il y a encore de l'espoir. Even a clear process is how that will happen. Un serviteur comprenant probablement la profondeur de cette espérance a servant who understands the profound of this hope a écrit cette poésie qui a été mise en musique. Wrote a poem that was written in, as a music piece. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. I do not know the day that I would see my Lord. Mais je sais qu'il me veut dans But sa sainte demeure. I know he will want me to be with him. La lumière vaincra les ombres à cette heure. The light comes and this hour will be, ce sera la gloire. This will be the glory for me. Monsieur, que cœur a dit. Surely, I know your heart is pounding and says, ce sera la gloire pour moi. The glory. Ce sera la gloire. Amen. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Il y a encore de l'espoir. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Amen. La voix du réveil, 44, deux canarins, quand verrons-nous le céleste rivage? Vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui, doux partage, à l'abri de l'aurore, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. En nous mettant debout, car nous sommes arrivés au terme de ce service. Des canarins renverront-nous le céleste rivage vers le Jourdain. Entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui, nous partageons à l'abri de Parfait bonheur
oh, oh, la gloire par sa vertu ressuscité. Il dit on sait bonté, célèbre sa victoire, la gloire au dos de son toine avec eux, nous lui rendons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Merci Seigneur. Si Seigneur. Oh, ok. Ok. Alright. Vêtus de blanc, Christ nous appelle tous. Coupons nos fonds pour la prière finale. Seigneur, ta servante Ima est partie, laissant derrière elle les membres de sa famille et les amis. Heureusement, nous pouvons dire avec les psalmistes et les enfants de Corée que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Viens ce matin combler le vide laissé par le départ de la défunte. Aujourd'hui, accorde ton amour, de ta fidélité. Console les membres de la famille et les amis. Dis-leur qu'ils peuvent être sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Ce départ est arrivé en des temps difficiles. Les jours sont mauvais, mais quelles que soient les circonstances, tu as pour nous les mots de consolation. Nous nous apprêtons à laisser l'enceinte de ce temple pour nous diriger vers la place de l'inhumation, déposer les dépouilles mortelles de la sœur Irma et prendre des directions différentes. Mais toi, nous savons que tu vas rester avec nous tous les jours de notre vie, car tu as été pour nous, tes enfants, un refuge de génération en génération. Nous te prions au nom de Jésus, à qui soit la gloire, la puissance, l'honneur, la majesté au siècle des siècles. Amen. Au programme, la dernière page, soit le verso du programme, vous trouverez des mots de remerciement de la famille Eugène et Jacques. Et de ces mots de remerciement-là, ces membres de famille vous invitent à passer un peu plus de temps avec eux à Anthony's Restaurant or Function 100, 105 Canal Street, Malden,
Massachusetts. D'où j'espère que sur la grâce du Seigneur, vous pourrez encore, après la sortie du cimetière, vous pourrez passer quelques instants avec la famille Jacques et famille Eugène à la gloire du Seigneur. Un mot de remerciement de ma part à la famille Jacques et Eugène. Je vous remercie de m'avoir permis de célébrer les funérailles de ma chère sœur, la sœur Ima, que il servait pendant 23 ans d'existence de sa vie. Alors, si ce n'était pas votre considération et votre dédicace, respect pour sa vie, vous pourriez faire n'importe quoi avec son corps. Mais je rends gloire à Dieu de ce que nous pourrions réunir ici avec les membres de l'Église évangélique haïtienne de Sommerville pour célébrer et rendre hommage à Dieu pour la vie de cette servante. Nous allons partir d'ici pour aller au cimetière en quelques instants. Je vous prie de bien vouloir accepter les mots de remerciement de ces deux familles-là. Et j'apprécie grandement les membres de l'Église évangélique haïtienne de Sommerville, les soins que vous avez donnés à la préparation de ce service. Aussi, je remercie le frère Thomas pour tous les soins qu'il a donnés avec nous pour la préparation de la célébration de ce service. Frère Thomas, je rends gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée d'être avec vous et tout au long de la semaine pour faire la préparation, les différentes préparations. It was a voluntary part of himself to do all these, to come many times with us to do the preparation that you have seen done here. Beloved, in the name of Jesus, and by the grace that we have received from him to serve him, we shall continue to serve the Evangelical Christian Church of Sommerville and family Eugene and Jacques. It was a pleasure for us to serve our DC step for that many years, and she had served us too. We were in a common service in the presence of the Lord. Now she's rested of her burdens, her pains, and there's still hope in the name of Jesus. Now we're going to process to the last part of the ceremony. After the word of blessing, you're going to have the director of the funeral home in the person of Dilo Russo. And let me tell you, in the history of the church, I met Mr. Drosso in a board of director of the city of Medford, and we had to apply for permit to install the sign you see in front there, you know, and he was one of the members to say yes or no. Good thing for him on that day there, he said yes, and once Flo and I were waiting, and they had to go again. On a break time, I said to Cephalo, we're going to ask them what they're going to do with us. Then we met with him and he said, wait, after the break time, we will call you. Then they call us and they pass the vote, and he was one of them who voted to have that sign you see in front of the Evangelical Christian Church of Sommerville. I'm not going to keep the service any longer. I'm going to pronounce the word of blessing. After the word of blessing, the pastoral cottage will be in front there, and the hearse will follow. Yeah, I know. I don't forget him. Then after the word of blessing, we going to be in front, the cottage of the pastor, the pastoral cottage going in front. The service of the funeral service will be next to us, and the family will be the third part. Then this way, please, you're going to remain sitting while we're going to exit the body out here.
Amen. And after we finishing with this part, the family had asked me to put Sister Ketia Foster in the place where we get in out. She will be singing with those sitting here and going out. Amen. So that means we're not going to lose any minute. All the glory to the Lord. All the glory for all of you who had been so responsible to brave the rain and the bad weather out there to be here with us. We thank you very much. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, may the love of God, the grace of Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit be with you all now and forever. Then the church says, Amen. Now sit down, please. Accept that recommendation. And now, Mr. Douloso, it's a pleasure for me to receive you here this morning. As you receive us at the City Hall, I feel proud. Thank you so much. God bless you, Reverend. Folks, my remarks will be very brief. The family is grateful, as you know, to all of you for your outpouring of love and support over these past few days, and most especially your presence here to stand with them and express their faith and love and conviction in the resurrection which awaits your sister. Folks, we're going to make our way out of church now to our cars. We ask that the Reverend clergy lead us down the aisle in procession. We ask that the family pallbearers come forward and accompany their sister out to the car, and then we'll line up our cars and make our way to Holy Cross Cemetery in Malden on Broadway. We'll make our way there by going down Mystic Avenue here from Somerville to Medford, and then on to Route 60 through Malden will be the route of our procession to Holy Cross Cemetery. At the conclusion of the committal prayers, the family extends an invitation to you all to join with them for the grand repas at Anthony's Function Facility on Canal Street in Malden. So thank you all so very much. Amen. Merci. Restez assis, please. Mon père passe sur la piste en cognac, c'est deuxième par là, c'est third part, les femmes qui ont besoin de follow. Once you can have it done, then we can start after that to go out. Now, please stay away of the hall. Let us have our way to go out. May the Lord bless you again. Thank you to everybody, whatever the place or the country or the city you came from. Please, may the Lord be with you. I'm going to read the hall for me, and I'm going to put my patient card on the whole way to God brings it. Step back until we get out. Step back from the casket until we get out. Okay? Step back from the casket. And the ushers, please keep the hall free for us to get out of the meeting. God bless you all. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I'm through the storm.
cher Seigneur, qu'aimé même, aide-moi, reste ferme, moi bouquet, fatigué. When the darkness